Bon, bah je lance. Vas-y. Hop. Hello tout le monde. Eh ben ici Vincent Studio pour continuer sur Evoland. Donc je suis toujours accompagné de mon siège passager Jake. Voilà. Le siège passager. Je sais pas si c'est la meilleure des places, c'est vrai. Mais bon, je préfère te mettre sur le passager que derrière sur le siège enfant. Oui. D'accord, je suis le siège passager, d'accord. T'étais pas prêt, je crois. Oh, pas du tout. J'avais la tasse à la main, je l'avais pas encore à la bouche, heureusement. Quoi. Non, heureusement. Bon, on se remet de nos émotions. Je suis drôle aujourd'hui. C'est pas vrai. Putain, on en était où ? Bonjour, bon lundi. Ah ben ça y est, ça commence. Fallait chercher le deuxième morceau. Ah mais oui, il faut passer au nord du village. Donc là-bas. Allez, normalement, tu finis le jeu dans ce stream. Ah bon ? Ah oui. T'es déjà beaucoup plus de la moitié, donc... Ah merde ! Bon, on verra ce qu'on fait après. Et est-ce que maintenant je peux te tuer, toi ? Maintenant que j'ai de meilleures cartes. Enfin, meilleures. Moi aussi, ça va. Pop. J'aime pas commencer dans ce jeu. Bon, on va faire ça. Je sais pas si c'est le mieux à faire, hein, mais... Non, c'était pas du tout le mieux à faire. Oh. On va essayer de reprendre celle-là. Ça va être difficile. On va prendre celle-là. Ça dépend ce qu'il joue en fait. Ok. Donc normalement, si je prends celle-là... Alors attends. Bon, celle-là elle me sert pas. Donc il faut que je capture et que je sois sûr de garder. Ah, je vais peut-être faire une... Ouais, je gagne sur là-dessus, je crois. Parce que lui, il va poser une carte, voilà. Merde ! Oh non, c'est égalité. Ah ben, j'ai gagné. Bon, on va pas dire non, hein. Et toi, t'es toujours aussi cher ? Je veux le lecteur de DVD. J'ai regardé, ça fait un succès. Ah ben, je me doute, oui. Ça fait un succès Steam. Ah ben j'imagine pas la carte rare. Non. Bonjour. Ah, c'est gentil. Oui. Ok. Elle m'a dit qu'elle me ferait un prix, mais... Ça m'a pas dit combien. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors... Ah. Oh, une plante piranha. C'est un paquin. Quoi, y en a deux. J'ai déjà fait cette vanne. Je sais. Mais c'est qu'elle a de la défense, dis donc. Ouais, j'ai amélioré ma défense. Je sais pas où je vais, par contre. Ah, il y a un pont là. Une Adam Ankelon. Après, j'ai regardé. J'ai essayé de faire attention, les tortues sur Dofus, c'était des atouts aussi. D'accord, je ne savais pas. Donc, j'ai peut-être une référence... Merde. Je pensais que c'était Clink qui a attaqué. J'ai peut-être loupé une référence, en fait. S'il faut, je l'ai, mais je m'en souviens pas, là. Ça a l'air d'être là. Ah oui, c'est ça, les ruines de Sarudnak. Alors, quelle évolution ? Sélection de personnages. Oui, bah, on va garder Clink, hein, bizarrement. Ah ! Non ! Il y en a beaucoup trop. Bah, c'est un nouveau système de combat, ça. On l'avait pas. Comme ça. J'ai peur. J'aime pas les araignées. On ne peut pas casser les pots. C'est complètement... combo. Ah.
un anneau de feu. Ouais, mais c'est complètement à la Diablo, quoi. Enfin, j'ai oublié le style de jeu. C'est ça. Bah, Diablo-like, tout simplement. Oui, mais je pense qu'il y avait d'autres choses qui existaient avant Diablo, en fait. Ah ouais, un anneau de feu, un collier de lait. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, Imagiro. Salut. Ce jeu de l'ancien temps, à l'époque, mon PC était tellement nul qu'il n'arrivait pas à charger toutes les araignées. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Non, pas de peau. Ben, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom et je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je connais pas du tout, je me balade. On va dire ça comme ça. Comment ça, tu l'as démembré? Mais c'est bizarre parce qu'il me dit plus 80 points de vie, mais mes cœurs ils remontent pas. Il y a le dos aussi. Oui, on a. En fait, c'est Jake qui a la Legendary Edition, et vu qu'on a fait un partage Steam, parce qu'on est super potes, ben voilà, je peux jouer aux deux. Barre de vie. Ah. Ah oui, non, mais c'est complètement à la Diablo, quoi. Et on peut esquiver ou. Oui, on peut. C'est bien. Un bracelet de Gastar. On dirait des fourmis volantes. Lumière ambiante. Ouf. J'esquive. C'est un peu la jungle de. Le sol craquelé. Pardon ? Est-ce que tu pouvais mettre des bombes sur le sol craquelé ? Ouais, mais il y en a partout là, du sol craquelé. Ouais, mais c'est pour ce. Et apparemment, non, je peux pas. Mon inventaire, ça se limite à ça maintenant. Ah, d'accord. Ouais, je peux pas. Non, je peux pas faire plus. Bon, après, je comprends, vu que c'est un autre style de jeu. Hop là. Mais ouais, j'ai. Bon, je le dis aussi en stream, c'est pas très grave. J'ai téléchargé, ouais, Bravely Default 2, et puis ça a l'air vraiment fun, hein, sans déconner. Il nous laisse déjà 4 classes de quoi regarder un petit peu. Ça a l'air bien. Moi, ça me plaît, quoi. De toute façon, j'ai fait le 1, j'ai fait le second, et là, maintenant qu'il y a le 2, ben, je vais être content. Et oui, il va falloir que je regarde la différence entre le 1, le second et le 2. Mais je crois que c'est juste une histoire de. Le monde et. Le second, en fait, je crois que c'est un spin-off du 1. Bon, bref. Ah, mais là, du coup, ce que tu parles, donc le Bravely Default 2, ce sera vraiment un nouveau jeu, c'est pas un remake, un remaster. Ah, oui, c'est un nouveau jeu avec des nouveaux personnages, oui. D'accord, j'avais pas compris ça sur le direct. Mais parce que dans le. Alors, dans le 1, tu fais ton aventure, voilà, blablabla. Dans le 2, dans le second, pardon, parce que c'est pas le 2. Dans le second, tu fais une nouvelle aventure avec des nouveaux persos, mais tu croises les premiers, si je dis pas de bêtises. Et dans le 2, bah, apparemment, c'est vraiment des nouveaux persos, mais avec une nouvelle histoire et tout. Enfin bon, on verra. Ouh. Une ceinture légendaire. C'est qu'il y en a du monde. Et je sais pas trop où je vais, en vrai. Je crois que je viens de là, non? Non, j'ai pas croisé ce pilier-là. Oh là là, je suis perdu. Quand est-ce que je vais avoir une carte dans ce jeu? S'il faut, j'aurai jamais. Un casse-pierre. Pierre. Présent. Non! Ah, je veux mes glis. La 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 la. Un esprit de typhon. Ok, c'était. Ah, c'est bien ce que je pensais. Une étoile. Ah non, une carte. Un doppel. Ah, c'est peut-être la carte de. Du clink noir. Je vais enfin pouvoir jouer comme il faut contre les gens. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Plus 5 aux créatures mythologiques et plus 300 de dommages contre les pierres et les murs. Quoi? On peut taper des murs? Oh non, c'est fou, il y avait plein de murs cachés. Et contre les pierres? C'est bizarre ça. Bon, on va voir.
Ah, une sauvegarde. J'espère que ça heal la sauvegarde. Parce qu'il y a du monde là. Non, ça heal pas. Faut faire attention. Protège bras de Drax. C'est quoi? On vous transforme en dragon. 12 mois de temps de recharge. Ah, ok. Ça fait beaucoup, 12 mois en temps de recharge. Mais est-ce que c'est 12 mois elle? Pardon? Pourquoi pas? De quoi? 12 mois en temps réel. Ah, je sais pas. J'ai une carte. Alléluia. On n'entend pas du tout ce qui se passe. Alors, pas du tout. Non, enfin, non. Non, rien, on entend mieux. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, j'ai une carte. Une étoile. Putain. Je vais pouvoir faire tout le backtrack. Et regardez tous les coins. C'est ça qui est bien. Bon, on verra plus tard. C'est après le pont que mon ordi rendait l'âme. Ah merde, bon ben, voilà le pont. Carnage. Des compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Ah oui, c'est les... C'est quand tu tues les combos. Genre, hey, t'as tué 20... t'as tué 20 personnes, bravo. Multi-kill. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné... Donc voilà, plus 1 de défense sur une oreille. Ah ok. C'est précis. Je peux pas casser les peaux, c'est embêtant ça. Des genouillères. Il y a une alcôve vers le haut. Oula. Oula, oula. Oula là. Il y a du monde. Je crois que c'est là qu'il voulait dire qu'il avait explosé son ordinateur. Légendaire. Ok, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a l'esprit de l'aventure, plus 1 en prise de risque. Plus 10, pardon, je sais pas lire. Plus 10% à la vitesse d'or. En fait, ça sert tellement à rien. Protège petit doigt de géant de flamme du poney. Quoi? Quoi? Mais... Aïe, 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 ce bordel. Il y a des seins sous. Ah, j'ai un nouvel objet. Jandire du gladiateur tyrannique. Plus 10 de dommages aux autres joueurs. Elle montre aussi votre grande valeur. Ah oui, vachement. Et des bottes de Val Undersoul. Le plus 10 en guérilla. Ils sont costauds, les... Ah! Les guêpes. Mourez! Mourez! Atterrissez! Un ange gardien, qu'est-ce que c'est? Merde, je sais pas où c'est. Ah, vous ressuscitez avec vos pourcents de vos PV si vous êtes tué par une licorne. J'en ai pas vu une seule. C'est dommage. Est-ce que c'est une étoile? Je pense que c'est une étoile.
C'est une étoile. Ah, j'ai eu un succès, vous avez trouvé 20 étoiles. Putain, c'est vachement grand quand même. Oh non. Mourez, mourez. Donne-moi du stuff. Épaulière du porteur de lumière. Plus 3 en bonne manière aussi. Très bien pour les soirées disco. Ah ok. Pourquoi pas. Boris. Ce soir, c'est Boris. De suite, hein, disco, Boris. C'est plus un amalgame. Collier très brillant en diamant. Vous êtes un vrai héros du hip-hop. Anneau de maîtrise... Quoi ? Anneau de maîtrise bovine ? J'ai bien lu ou... Anneau de maîtrise bovine, c'est ça. Plus 17% en dommages contre les vaches. On ne sait jamais. Ah, mais ça, c'est complètement en référence Diablo, ça. Avec le niveau des vaches. Tu te bats contre des vraies vaches qui te tapent dessus. Oula, il y a du monde. Bon, d'un côté, je perds pas trop de points de vie, c'est bien. Hein. Aïe. Alors, relique, sous-vêtement de l'inflexible. Plus 250 en résistance à la peur, souple et confortable, mais oui. Et relique du héros, plus 0,001 de chance de critique. Il me manque 3 objets. J'imagine qu'il y a un succès, savoir tous les objets. Bon, après, il reste du... Il reste des monstres, hein. Il y a une alcôve. On va voir. À l'alcôve. Alors... Il y a une sauvegarde. Ça, ça risque de dire boss. Quoique la carte, on dirait pas qu'il va y avoir un boss. Si, c'est bon, il y en a un. Et une grosse tête de mort. Médaille de l'honneur. Quoi ? C'est quoi ? Gain d'XP doublé juste au cas où. Ah, mais il m'en manque ! Ah, c'est bon, il y a du monde là. Pourquoi la musique elle s'énerve ? Ouais, c'est bon, il y a mes deux derniers loot. Youpi. Alors, on a... Kit de désamorçage pour Creeper. Empêche les Creepers d'exploser si vous êtes assez rapide. D'accord. Et, ah, full metal, vous êtes entièrement équipé. Et vous êtes un peu lourd, c'est vrai. Crème solaire des morts. Pfft, la crème solaire. Depuis que vous avez volé cette crème, les morts vivants prennent 200% de dommages solaires. Mais on n'a pas de soleil... Enfin, je crois pas. Eh, mais je vais aller là, moi. Bon, ça sera peut-être après le boss. Allons tuer le boss. Alors, quel est le boss? Est-ce que c'est un boucher? Il est dans le coffre. Voilà, le roi des morts. D'accord. C'est l'héroïque. Ah! Il y a eu un petit lag, là. Mais il meurt pas. C'est moi, il prend pas de dégâts. Ah, ça y est. Ce qui m'a mis. Je suis en train de mourir. En fait, j'étais encore à corps quand il a fait ses flammes là, j'ai ramassé. Pas de vie. Ah. Meurs. Je pense que je vais mourir. Merde. C'est pas très clair la hitbox des boules de feu, c'est pas pour râler, mais c'est juste la vérité. Mmh. Non, mais donnez-moi un peu de vie, s'il vous plaît. Merde. Ok. C'est serré. Non, il me touche pas. Quoi. Boom.
Oh de la vie. Ah oui. C'était pas évident. Quelque chose s'est ouvert quelque part. C'est la dernière fois, promis. J'entends le quelque chose s'est ouvert quelque part. On a menti. Ah. Le dessert. Deuxième partie de l'amulette. Ouais. Maintenant qu'on a les deux, on fait comment? Je repars au début. Mais j'ai une carte, donc je vais pouvoir vérifier les endroits chelous. Oui. Ouais, rien. Il y a quelque chose qui t'a fait sourire. Voir rire. Bon, c'est pas grave. Ah, là, je suis en train de me dire que le stream fera moins d'une heure. C'est pas grave, je peux passer sur autre chose après. Bah, ouais, on fera une mini pause ou une pause tout court et on revient après. C'est juste que je suis en train de lire du coup en mode GPS parce qu'apparemment je suis sur le siège passager. Et ouais, il te reste une zone et après peut-être trouver les étoiles que tu n'as pas, mais je sens que tu es à jour sur les étoiles. Ah, cool. Je sens. Quoique, hein, il me manque des trésors dans la première forêt. Ouais. Mais la carte, j'espère que je l'ai aussi pour le reste, parce que je vais être fâché. La sortie, c'était en bas à gauche, donc on va aller en bas à droite. Sinon, c'est pas marrant. Je suis sûr que je suis venu ici, mais je vais vérifier, comme ça au moins j'aurai tout. Genre là, avec le surplomb. Ouais. C'est bizarre qu'il soit pas sur la carte, cela dit, le surplomb. Là en bas, j'y suis allé, je crois. On vérifie. Comme ça, au moins. S'il faut, il y en a un qui est caché en plein milieu vu que les maps sont grandes. Et là, c'est la déception. Non, je pense que je l'ai fait. J'ai fait toute la map sans faire trop gaffe, donc c'est bien. On va vérifier. Quand même. Tu as dit que t'étais à 20 étoiles, c'est ça? Oui. Ok, donc. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble bien que tu es à jour. Ouais. Néanmoins, au total, il y a. Tu veux savoir? Je crois qu'il y en a 30, non? Il y en a 30, en effet. C'est écrit sur le panneau de l'inventaire. Il me manque 11 cartes et 10 étoiles. Après, par et j'ai pour les beaucoup cartes, de gilles, de glis, pardon. Donc je vais pouvoir peut-être acheter la carte spéciale. Qui sait. Oh là là, mais ce jeu de la nullité, le concept est cool, mais l'histoire et tout. De quoi tu parles? C'est vrai. Oh, que j'ai une vraie carte! Cool. Après, et Volante, voilà, le premier... du nom, donc celui-là est très court, mais c'était plus pour que le studio se teste qu'autre chose. En fait, le deuxième est bien plus long, vraiment bien plus long, avec une histoire beaucoup plus approfondie. Ah oui? Ah oui. On verra si je continue sur les volants ou pas après, quoi. Moi, bon, ça me dérange pas, c'est le. Ça me plaît. Ah, il y a un truc caché là-bas. Il y a une tour. Merde, c'est faux, c'est là où on doit aller après. Ah ben oui. Une cinématique. C'est le boss de fin? Ça fait vraiment boss de fin. C'est Zephyros. Oh non, c'est une blague. Clink et Zephyros. Ah, on n'est pas assez fort. Merde, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas sauvegardé depuis. Me dis pas que c'est le boss de fin, ça serait dommage. Je sais même pas combien il a de points de vie. Plouf. Magie. Crystal X. Plouf. On va peut-être commencer à se soigner.
Parce que j'ai pas d'attaque spéciale. C'est dommage. Avec le clic. À tout, Imagiro. À plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Assez, fini de jouer. Oula, ça sent mauvais. Kame, oh non. Non, ça non. C'est... Attends, qu'est-ce que je fais? Magie, soin. Ah là, va falloir soigner parce que je pense qu'on va prendre une sacrée schiste. Non! Ah, mais il le fait de suite. Oh mon dieu! Ah ben c'est dommage. Non. Est-ce que c'était scripté? Ah, peut-être oui. Combattrons jusqu'à la mort. Soit. Hein? Oh non! Kairis! Elle était cette... Oh, quel dommage. Ah oui, non mais c'est complètement pareil. Ah, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Elle a disparu dans la rivière de la vie. Ah, il a l'air vénère, Clank. Grand pouvoir. Ah. Votre pouvoir spécial, c'est veiller, fils de dragon. Oh, Baba But. C'est Babamu. Ah, c'est vraiment Babamu. Graou. Ah, bah j'ai peut-être gagné. Ah non, apparemment non. Je vais retourner à l'arbre de mana. Ah, c'est pas fini, ok. Ouais, 2000 glis. Mais je suis tout seul maintenant. Elle est décédée, la pauvre. Bon, retournons au village. Et maintenant, j'ai une carte. Je vais pouvoir faire du backtracking. J'aime ça. On va pouvoir tout acheter, je crois, là. Ben, on va dire bonjour à ses parents. On va lui dire bon, ben voilà. Oui, soigne-moi. Au moins, c'est fait. Et je sauvegarde. Alors. Toi. Salut, on va acheter la carte rare. Le roi des morts. Cool. On va acheter le lecteur de DVD. Lecteur de DVD rapide, au revoir les temps de chargement. Ah, c'est trop cool. Et j'achète l'armure d'argent. Votre défense a augmenté. J'ai acheté rien d'autre. J'ai fini mes achats. Et toi là, on va faire le champion. On va essayer du moins. Ah mais j'ai encore la carte qui pue là. Ah j'ai que de la merde. Bon, on va faire ça. Lui va mettre que des trucs. Ouais voilà, que des trucs overpétés là. Aïe aïe aïe. Ça va être dur. Il est où mon roi des morts? Fais chier. Ah oui bon ben voilà, au moins c'est fait quoi. Étoile. On va placer ça. Alors, attends. J'aimerais capturer deux en même temps, mais je peux pas. Fais chier. On va mettre ça là. Je sais pas.
Ah, bordel. Mettre ça là, hein. En espérant qu'il vise en bas, mais ça m'étonnerait. Vise en bas. Oh non. Bon, bah, je crois que j'ai perdu. Ouais. Ah, ça peut être possible, ça dépend du placement, mais... Après, je suis pas tombé sur la meilleure carte. Ah, ben voilà, ça, c'est des meilleures cartes. Ouais, vachement, ouais, en fait. Chauve-souris nulle, là. J'aurais dû la jouer en... Ouf. J'aurais dû jouer la chauve-souris en premier, en fait. Comme je savais qu'elle allait se faire capturer. Il veut pas avoir de la daube, lui aussi. Ah mais là tout est capturable de mon côté en fait, c'est ça qui est chiant. Et je peux pas lui en reprendre. Merde. Bon, ben, c'est perdu, j'ai mal joué. Je vois pas comment t'aurais pu gagner. Ouais, c'est sûr, c'est au hasard de mes cartes en fait. Genre je me suis chopé la chauve-souris. C'est dommage. Bon, à part celle-là, c'est pas trop mal. Donc elle, on va la jouer en premier, on va la foutre là. Ça commence mal. Ça, je peux pas la capturer. Le 8, c'est fort, hein, mais... On va mettre ça là. Avec de la chance, mon 8 permettra de choper autre chose. Ouais, non. Pas forcément. Hop, comme ça, moi, je suis sûr que il ne peut l'avoir qu'avec une étoile, celle-là. Oh. Pff. Ah si, c'est bon. Quoique. Non, je pourrais pas la rechoper, celle-là. Mais peut-être que je pourrais avoir celle qui va poser. Allez, c'est maintenant que tout se joue. C'est bon. J'ai gagné. Ouf. Nice. Hein? Pourquoi? Ah, parce qu'on a fait moitié-moitié. Oh non. Enfin, on a fait moitié-moitié. On a fait... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non? Et il en a une dans sa main. Ah, il commence. J'aime bien quand il commence, parce que ça veut dire qu'il perde. Hop. Ça, on a chacun 5 cartes, en fait. C'est le problème. Ouais, le bussif. Ouais, bon, ok. Ouais, bon, d'accord. Soit. Ah ah, celle-là, pour la capturer, ça va être dur. Courage. Ah putain, je peux pas faire de doublé. Je peux en capturer qu'une. Fais chier. Mais tant pis. Mais non, il peut me capturer le truc. Ouais, ça là. Oh non, on va encore faire une égalité. Attends, faut faire ça alors. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il a 6? Je comprends pas. Non. J'ai pas compris. Je comprends pas, mais ça peut le faire. Ah, j'ai un bon tirage là. Ah, c'est moi qui commence. J'aime pas commencer. Bon, on va mettre ça là. Allez, hop. Bon, les deux sont assez bien capturables. Putain, je vais mettre ça là. Comme ça, moi, j'espère pouvoir faire une double capture si je joue à droite. Ouais, très bien. Comme ça, moi, je fais une double capture et je suis tranquille. Genre ça. Paf! C'est bien, ça.
lui peut pas faire de double capture. Merde. En fait, ça m'arrange moyen, quoi. Parce que je pourrais pas recapturer derrière. Ah si, j'ai gagné. Paf, la pastèque. Oui, tu as eu de la chance. Ah, champion de jeu de cartes, vous avez vaincu tous les jeux. Oui, je suis fort. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'espère que tu peux pas de Zéphyrance. Oui, ben je vais essayer, merci. Ils sont marrants, hein. Hop. Ouais, ouais. Hop, coucou. Ok. Oui, c'est pas fort. Ah oui, je vais essayer, promis. Oui, crois-moi, c'est le moment. Ah, il peut peut-être m'aider, c'est bien. On va tous mourir. Mon vaisseau volant. Ah, ben je vais pouvoir aller sur les anciens villages. Bon, on va faire ça. Bienvenue sur R.E. Voland. Attends, on va aller voir le monsieur, il a dit qu'il pouvait m'aider. Besoin de conseils. Étoile, carte, marchand, chocobo. Quoi? Est-ce que tu connais les chocobos? Ce sont de gros oiseaux jaunes, oui. Mais fais attention, si tu en vois, ils ont des défenses plutôt aiguisées. Leur viande est délicieuse. Ok. Au nord-est. Les mines de la Noria, oui je sais, mais bon. Il te dit où tout est caché en fait, c'est bien ça. Ouais, il y en a dans les mines de la Noria, ben oui, mais... Vous êtes mignons, mais je peux pas... Il y a des choses que j'ai pas pu faire. Ah, le vaisseau. Est-ce que je retourne dans les mines ? Voir ce que j'ai loupé. Attends, il a dit qu'il y avait une étoile et Tu peux aller dans les mines, monsieur. Merde. Il dit que j'ai une étoile et une carte dans les mines. Est-ce que alors, c'est dans ça les mines, mines? Normalement, dans les mines, tu as déjà trouvé deux étoiles. Ouais, mais il m'en manque apparemment. Il t'en manque 4 de plus dans les mines. Wow! 4? Ouais. Mais c'est pas possible, il y a des trucs super cachés que j'ai jamais vus, quoi. Bah déjà, on va essayer de le tuer, lui, en... sans prendre de dégâts. Il y a une phrase que je suis venu que je comprends pas trop, donc je te dis après si je vois que ça avance pas, mais... Ouais. Donc, à voir. Putain, mais j'ai pris des dégâts sur les chauves-souris. Mais putain, ces boules de feu, c'est insupportable, quoi. Ah, s'il faut, faut le battre 20 fois, tu sais. Faut que je fasse des câlins à tous les murs, quoi. Mais Caris, elle est morte, comment je peux avoir une trace d'elle? Oh, va falloir faire des câlins à tous les murs, à tous les coups. Allez, je fais un câlin. Je fais un câlin. Je fais un câlin. Je fais un câlin. J'oublie un mur. On va faire des câlins à tous les murs. Youp!
Happy. Ça qu'on aime dans le jeu vidéo, faire des câlins au mur. Bon, c'est pas là. Mais ne sors pas de la salle. Je sais pas si c'est ça. Hein. Oui. Dans la salle du boss, au milieu, en bas du mur, mets une bombe. Ouais, c'est faire des câlins à tous les murs, quoi. Ouais, mais faire des câlins, c'est pour voir si tu peux passer à travers. Là, c'est vrai. Les murs fissurés, s'ils sont cachés, tu les vois pas. Apparemment. Je sais pas. Hein, mais c'est vrai qu'il y a un truc bizarre. Là. On dirait que le niveau peut s'agrandir. Parce qu'il y a un carré. Il y a un début de carré, en fait. C'est ça que je comprends pas. Je me plante peut-être. Hein. Prenez l'ensemble. À l'entrée, prenez le chemin qui mène au boss. Ah, le chemin. C'est pas en pareil. En face de la porte se trouve un mur fissuré. Donc là, pour moi, c'était en face de... Ouais, c'était celui-là. Attends, je te montre. Eh, mais là, j'ai pas de carte. C'était là. Là, il y avait un truc fissuré, là. Regarde. C'était ça. Ce qui te dit le... Ta Solus. C'était là où je suis. Hein. Ah, bordel. Il me manque une carte et une étoile. Ils sont mignons, mais... Comment je peux deviner? Parce que là, c'est la sortie. Merde, mon vaisseau est de l'autre côté. Oui, si le mur il est cassable sans que je le vois, c'est bizarre. Donc faut faire des câlins. Mais j'en ai déjà fait un câlin là. Dans les murs ici. Ouais, celle-là je pense que tu l'as déjà. Ça c'est la salle où il y avait la clé du boss. Oui. Ah attends, il y a un truc là. Comment j'y vais? Ouais, j'ai dû faire un câlin à un mur. Et j'ai eu une étoile. Ouais. En espérant que c'était la dernière de la mine. La 23. Hein? Donc toi, celle que tu m'as dit juste avant, la 22, tu me dis que tu l'as. J'en suis pas sûr, mais oui, ok. Je l'ai. Celle-là que tu viens d'avoir là maintenant, c'est la 23. Rien qui te dit que c'est un mur caché ou pas, quoi. Ouais. Bon, là, apparemment, il me manque une carte. Ici. Prenez le chemin vers le nord à partir de l'entrée. Vous trouverez un mur fissuré dans un couloir où vous débloquez les mages. Ça, je crois que tu l'as dit. Les quoi, les mages? Les mages? Ouais. En tant que quoi, les mages? En tant que carte ou... Les ennemis, je pense. Ah, bah c'est les ennemis. Ah, les je vois. Mais c'est autre chose. Là, il y avait un câlin à faire ou pas? Merde. Je peux pas voir ma liste de cartes? Non. J'en ai 13 sur 23 et c'est tout. Je fais des câlins au mur. Hein. Mmh. On va bien voir. Parce que je les ai tous faits, les murs qui peuvent se fissurer. Qui sont fissurés. Putain. Ok. S'il faut, c'est là. Mais alors, pour le trouver, là, le mur fissuré, alors qu'il y a des tornades, bonjour, quoi. Tu veux me dire, il serait capable de l'avoir fait là. Il y a un truc en bas. C'est peut-être là, ouais. Non, pas du tout. C'est le niveau qui est fait comme ça. Ok. La salle des tornades, c'est non.
après la 25, tu l'as déjà, je crois. Ton c'est il me semble que je l'avais déjà vu. Dans la salle, juste après avoir débloqué la lave, oui. Il y a un mur fissuré en bois. Oui. Et ça, je crois que tu l'avais c'est déjà fait. Fait. Ça me parle. Non, mais tous les murs fissurés. Merde. Tous les murs fissurés, c'est fait. Bah, tu dois peut-être être à jour alors. Après, par contre. Non, ils me disent qu'il me manque une carte. Bon, ça, par contre, je sais pas où c'est. Hein. Y'a rien qui te le dit? Je vais chercher. Là, je suis revenu au début. Bon, je vais prendre le vaisseau. Tu te souviens des noms des cartes? Peut-être, ça va me dire quelque chose, vas-y. Si je te dis. Alors, c'est pas. Je te lis dans le désordre par rapport à ce que j'ai là. Octorak. Je crois pas que je l'ai celle-là. C'est la première carte, la toute première. Mais je crois que je l'ai pas. D'accord, bon, on verra plus tard. Parce que c'était dans la... Dans la chose, là. C'est au tout début du jeu. Ouais, je sais, mais je vais y aller. Ok, chauve-souris. Je l'ai. Slime. Je l'ai. Vert. Oui, je l'ai. Enfin, si ça correspond à la sensu, oui. Cobra Zéro. Je crois pas l'avoir, le Cobra Zéro. Après, je sais pas, parce que j'ai pas de liste, ça me fait chier. On dirait qu'il y a un truc, là. Ah, il y a un truc, là. Cartographeur, vous avez trouvé le lac interdit. Bon. Nouvelle zone. Avec sûrement des cartes. Quoi, c'est une zone? Le lac interdit. C'est une zone cachée. Lac interdit. 1, 2, 3, 4. 4 objets? 4 étoiles. 4 étoiles? Quand même. Peut-être qu'il faut que je fasse ça là. Apparemment c'était pas peut-être. Mais je te laisse chercher, je continue de ma liste des cartes au passage. Comme ça Donc Torque. Torque, T-O-R-K. Je sais pas. Ah, il me faudrait un... Emuc. T'es déjà rentré dans des maisons au village? Au début du jeu, à moitié. Ah, d'accord. Une étoile. Une graine. Non. La graine de croissance? Une carte qui s'appelle la graine. Ah, ben je l'ai pas alors. Ok. Skaven. Le Skaven, c'était les tops, donc oui, je l'ai. Ouais. Zumba. Oui, je l'ai. Pakun. Je l'ai. Gep. Je l'ai. Klink. Ça, oui. Je l'ai. Araignée. Non. Si tu me dis qu'elle est dans la zone Diablo, j'ai un peu les nerfs. Non, non. Ok. C'est dans les mines, ça a traversé un mur Ferkala. Putain, mais... Et t'es passé sur la case plusieurs fois dans le stream précédent. Ah ouais? Ouais. Putain. Doppel, j'ai entendu le nom tout à l'heure. Oui. Roi des morts, je l'ai entendu tout à l'heure. Là aussi. Fantôme de Kefka, ça me dit quelque chose? Je l'ai pas. Je sais ce que c'est, mais je l'ai pas. C'est la carte avec une étoile qui m'a mis tout à l'heure dans les dents. D'accord. Putain, faut Kéris. Retourner dans les murs. Kéris, je l'ai. Kéris. Babamu. Babamu, je l'ai pas. Oui, c'est normal.
c'est normal. C'est la fin de jeu. As-tu un, je crois que tu... La tortue, je crois, oui. Ça me dit quelque chose. Squelette. Non, je crois pas. Ok. Mage. Je crois pas. Zephyros. Et dans le lac interdit, Zephyros. Ok. C'est ce que je viens de dire. Bah j'y suis là. J'ai déjà trouvé une étoile. Donc, au lac sans carte, c'est pas si évident. Hein. Ouais, au lac interdit, donc 4 étoiles et une carte. Ah, une autre étoile. Une deuxième étoile. Ou un arbre à brûler en tout cas. Ouais, mais je vois pas trop. Alors, je sais pas lequel c'était, mais ok. J'avais brûlé. Hein. Ok, donc c'est pas par là. Oh putain, je sais pas du tout où c'était. Parce que là, je peux pas. Je peux pas continuer. Ah, faut sûrement refaire le tour. Je crois savoir où c'était. Zone secrète du lac. Bah merde. Ah, c'est là. Il y a une flèche à lancer, je ne sais où. En mode YOLOLO, mais... Alors j'ai brûlé un arbre, mais alors lequel? J'y suis pas allé là. Si. Si. Je ne sais pas où aller. Ah bordel, bon, on reprend depuis le début. C'était un arbre qui était là sur le côté. Il a fallu que la flèche parte à Babelwood-les-Bains pour le. Non. C'est pas impossible, cela dit. Ah, ça, ça a sorti de la carte. Merde. Bon. Oh non, ils ont tous repop. Je me redresse. Allez, on passe en mode sérieux. Serious game activated. Bon. La partie haute, là, ça a été fait. Oui, j'ai rien d'autre à... Voilà, ici, j'ai plus rien à faire. Ok. La partie haute. Du moins ici. On est passé. Ah, c'est peut-être là. Je sais pas. Aïe. C'est pas grave. Bon, cette petite île ne me sert pas. Donc autant continuer. Allez, on va dire à partir des deux rochers, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah, c'est peut-être ça qui s'est allumé et donc j'ai une flèche à tirer, je ne sais où. J'ai entendu frouf. Ah, c'est quand je l'allume. Bon. J'ai tiré 20 flèches dans les... Attends. Dans tous les points K. Là. Là.
J'ai tué une chauve-souris. Là. Là. Bon. Il n'y a rien. Sur cette torche, du moins. Mais là, il y a un coffre. Comment j'y vais? Putain. Faut passer par au-dessus. Très bien. Comment je passe par au-dessus? Ah ben par là. J'espère. Ou alors faut passer quand on est tout petit ou... Merde. Je pense un coffre que je peux avoir que quand on est dans les... Non, c'est bon, je peux y aller. Bordel de merde. Ok, un coffre en plus. Avec dedans... Une étoile. Donc ça fait 3 étoiles. 3 étoiles donc, ok. Bordel. Ok. Donc là, ici, c'est fait. Là, y'a rien. Hop là. Voilà, c'est un peu le vide. Ok. Non, mais c'est au niveau du lac qu'il s'est passé quelque chose. Mais ouf. J'ai débloqué une sortie. Je ne sais pas où. Là en bas c'est fait. Bon, il y a que là. Est-ce qu'il y avait un caillou à casser quelque part avec une bombe? Mais oui, mais c'était au début. Ok. Non, mais c'est là, à partir de là, il doit y avoir un truc que j'ai loupé. Revenons en 3D. Ah, mais attends, je suis con. J'ai rien dit. C'est bon. Je suis débloqué. Là, j'ai fait de la caca de là. Ouais, j'ai un peu fait le débilos. Bon, c'est pas grave. Alors, la flèche. Tchouk. On va là, on va là, on va là. Toi, tu meurs. Toucher le petit arbre là pour pouvoir toucher le machin là. Ok, c'est bon, je peux avancer. Ah, un coffre, est-ce que c'est la dernière étoile? Et dernière étoile. Alors, non, dernière étoile, donc tu as la... Il te manque la carte, c'est ça? Ouais. Elle est pas loin de la dernière étoile que tu viens d'avoir. Ok, bon, elle est dans quoi? Oui, elle est pas loin. Ah! Non, c'est bon. Faut passer en mini. Voilà. Merde. Faut se dépêcher alors. Parce que je vois pas comment là. Ah, mais. Il y a une autre. Il y a un autre coffre, il y en a deux. Mmh. Ah, une autre étoile. Il y en avait 5? Non. Bon, bah alors je sais peut-être pas compter. Mais j'en ai compté 5 là. Et j'ai la carte. Zephyros. Ouais. Je suis à 26 étoiles et 14 cartes. Ok. Je pense que pour le lac c'est fini. Oui, j'imagine. Ça, j'ai fait toute la zone au peigne fin. Ouais, je suis à la sortie. Ok. Donc là c'est fait. Ensuite. Bon, on va retourner à la mine, hein, mais ça fait chier. Ah, il y a une mine cachée là. Qui n'était pas sur la carte. Ah, l'hôtel de Babamut. C'est la fin, ça, non? Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé l'hôtel de Babamut. J'y vais ou pas?
Oui, tu peux. Enfin, c'est la fin du jeu, quoi. Attends, alors, attends. Attends. C'est un truc secret. Je pense que c'est une zone secrète, hein. Je cherche. Non, tu peux... C'est pas là, à la fin. Ouais, donc c'est une zone secrète. Ouais. Tant mieux. On va faire des calais en mur. Alors, je reviens là. On va quand même faire des canons au mur, on sait jamais. Non, ma bougie. La mèche est trop courte, il y a encore beaucoup de bougies. Je sais pas comment faire. Pour la faire durer. C'est au bain-marie à acheter des mèches, c'est ça? Non mais c'est ça, ou pas? C'est vraiment sérieux ce que t'as dit? Oui, ma bougie, elle commence à atteindre le bas du pot. Sauf que... tu parles des bougies de charou? Oui. Ah. Oui. Je sais plus. Une étoile. Bah, je pense que c'est le seul choix que j'ai, parce que la mèche commence à vraiment être trop profonde. En fait, ça fait un trou, mais ça... Ouais. Ça brûle pas la cire sur le côté, quoi. Comme 90% des bougies, malheureusement. Babamut, tu as deux étoiles, donc tu peux en avoir une. Et une carte sur, je regarde s'il y en a d'autres. Il y a plein de portes fermées. Ok, deux étoiles et une carte. Je peux tirer des flèches sur les mages? Parce que si oui, je vais me faire plaisir. Ah, je crois pas. Non, je peux pas. Tu m'as dit, pardon? Deux étoiles, deux une étoiles. Carte? Une carte. Merde. Bah, où je suis, là? Mais je suis tombé où? Je vous connais pas. Ah, putain, mais ça m'a téléporté à Babelwed. C'est loin, Babelwed. C'est vachement loin, Babelwed. Putain, je veux les tuer, moi. Ça t'a pas... Attends, t'es dans les mines? Non, je suis à Babamut. Putain! D'accord. La zone me paraît très grande. Ça m'a mis à la sortie. Ah, mais je risque de mourir. Et j'ai pas sauvegardé depuis un moment. Faut faire attention à ce que je fais. Ouf, des petits cœurs. Oh non. Il y a bon. Il y a du vent. Ah, bordel. Pas avancer. Mais avec tout, comment j'ai fait pour y aller, quoi? Bah, c'est une question de comme ça. Ok. Un interrupteur. Ah. Je crois que j'ai fait tous les interrupteurs. Ce coin paraît suspect, faisant un câlin. Et au-dessus? Ah, au-dessus, ça a l'air chelou aussi. Hein. Merde, il n'y avait rien. Bon, c'est pas grave. Allez, dans la tornade, oui. Non, je veux aller là. Je retourne là. Paf, on va les tuer d'ici. Voilà, saloperie. Laisse-moi faire des câlins au mur. Je
suis bétosexuel. Je fais de... des choses bizarres avec les murs. Béto? Bah, je sais pas. Je sais pas comment on dit mur en latin, donc... Mur, mura, murae. Je sais pas. Ce couloir est bien trop suspect. Faut faire des bisous au mur. Et lui chuchoter, laisse-moi passer. Oula. Mais est-ce que j'ai fait tous les interrupteurs? Là, est-ce qu'il me le... il me l'a validé ou pas? Ouais, c'est ça, il fallait les trois interrupteurs pour passer au labyrinthe. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va pas devoir combattre Babamute, parce que là, ça risque d'être costaud. Hop. Oh là là. Là, y'a pas de mur chelou. Non, pas des mages, pas là. Courez, fuyez, pauvre fou. Ok. Ah, mercredin. Bah. Un en moins. Ah. Et deux. Allez, on fait des câlins au mur. Ah, il y a un mini-jeu que j'aime bien. Mais d'abord, les câlins au mur. Ouh, il a l'air grand. Ah, tu trouves un mur cassable. Hop. J'avais une étoile. Oui. Bon, voilà une deuxième. Donc, niveau étoile, on est bon. Mmh. Ok. Mais en même temps, il m'en manque que 3 dans le jeu, je crois. Non, que 2. Dans tout le jeu. Bon, alors. Mon mini-jeu que j'aime bien, il va falloir que je le gère. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là aussi. Ah. Oh non. Oh putain. J'ai attaqué et ça comptait comme si j'avais raté. Bon, c'est pas grave. Ouais. La 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 la. C'était facile. Bordel! Je suis revenu au début du donjon. Oh mais non, mais c'est une blague. Qui a codé ça? C'était pas la bonne idée, monsieur. Oh putain, faut faire le labyrinthe et tout. Oh, bordel de chauve-souris à la con. Je vais faire un test. Non, ça va pas tout repop, ça va. Non, heureusement. Tous les mages à la con. Hein. Test. Ah, je peux lancer des flèches, très bien. Non, me troll pas. Yes. Bravo. On va faire un câlin au mur. À partir de la statue. C'est fou, il est là, t'imagines. S'il faut, en fait, c'est juste une carte et elle est à la fin, là, genre ici. Ah, il se passe des choses. Hé ! Bordel, il y a un monde. Hé !
Et les mages, faut se calmer. Il y en a qui sont derrière les murs maintenant. Ah, croque-mort, vous avez tué 100 squelettes. D'accord. Je pensais pas en avoir tué autant. Bon, lui il me les brise, donc on va faire ça tranquillou. J'ai la carte de Babamut. Ah, card collector. Vous avez trouvé 15 cartes. Ok. Bon, mais... Ça veut dire qu'ici, j'ai fini. Ouais. Allez, on s'en va. Ok. Et donc, à la Moria, faut faire un câlin. Alors, à la Moria... C'est quoi ça? Mais... Ouais, je veux voir là. C'est quoi ici? La vallée d'Edel. Ah, on y était déjà allé. T'es pas allé? Si, je crois. Ça me dit quelque chose. Parce que la vallée d'Edel, il y a des choses à faire aussi. Si ce n'est pas déjà fait. Ouais, j'imagine qu'il y a des trucs à faire. C'est le début du jeu, la vallée d'Edel. Si je dis pas de conneries. Donc oui, il y a des choses à faire. Alors, où? Là, c'est une autre histoire. La vallée d'Edel, c'est... milieu du jeu. Ah ouais? C'est juste avant les mines. Ouais, c'est vrai, mais... C'est pas un truc que tu peux couper pour avoir le début. Bon, bref, on va voir. Ah, une sauvegarde. Alléluia. Votre stress disparaît, oui. Bon. Alors, s'il faut, faut que je continue de voir Francis, là, et qu'il me dise, bon, ben voilà, voilà. Tu as 3 étoiles à la vallée d'Edel. Ouais, mais le problème, si, c'est pas déjà fait. Pris, quoi. Ça va être très dur de déterminer, parce que oui, ça c'est le début, la vallée. Je pense que tu les as déjà. Ouais, parce que là c'est vraiment le début de l'aventure. Ici, je m'en souviens. Carte dans la vallée d'Edel, le Zumba, tu l'as déjà. La chauve-souris, oui. Ouais. Le paquin, tu dois l'avoir déjà aussi. Oui. La guêpe. Oui. Là, t'es en train de me dire que j'ai tout fait. Là. Et le squelette. Mais je l'ai pas, le squelette. Enfin, je m'en souviens pas. Et mage. Et le mage, je l'ai pas non plus. Mais dans ce cas, 2 cartes dans la vallée d'Edel. Ah putain. Alors, il y a... La carte squelette, c'est après que t'aies récupéré les bombes. Ouais, donc j'ai dû la voir et je le sais pas quoi. Partez à l'est de la pierre dimensionnelle pour trouver un rocher que vous pouvez casser. Et le rocher, juste après, il y a des buissons. Ça va ? Ouais. Il y a des buissons. J'ai t'as toujours un caillou à casser. Ah, un je caillou l'ai. À casser, si. Je l'ai. C'est bon. La carte squelette. Je l'ai. Ouais. Ok. Et la carte mage toujours dans la vallée d'Edel. Ouais, je l'ai pas, elle, je pense. Allez à l'est de la pancarte qui vous indique le chemin réservé oui. aux aventuriers agiles. Je m'en souviens, oui. Ah, il y avait sûrement un truc à péter et j'ai pas pu le faire. Voilà. Ouais. Dans la vallée... D'Edel. De l'Edel.
Ouais, c'est là. J'avais pas pu le faire ici. Attends. Qui donne la destination? C'est un panneau qui parle d'aventurier agile. Oui, mais faut aller à l'est. Ah merde, j'ai confondu encore avec l'ouest. À l'est de la pancarte. Ouais, c'est bon. C'était là-bas. Ouais. Hop, ça c'est fait. Bah. Ça m'a fait partir. Oh, les chocobos. Les chobocos, pardon. Putain, oh, ils font choupier. Ils ont des grandes... Ils ont leurs dents grises. Des grandes dents. Ouais. Ami, il meurt pas. Ok, faut se soigner. Ça fait quoi si je fais baba but? Je le tue d'un coup ou... Oh, je suis obligé d'avoir la cinématique à chaque fois. C'est dommage. 12 millions. Point Choboko. 22. Chasseur de Choboko, c'était un très gros poulet. Vous avez trouvé de la viande de Choboko. Ah, mais c'est peut-être une quête à faire. Cela dit. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, bah c'est le village. Ah, il est toujours aussi moche, le village de Papunica. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire au village? Ah, Papunica, il faut que tu rentres dans des maisons. Ouais. T'es repassé fort tout seul en 3D, là? Enfin, en 2D? Oui, oui, c'est le jeu qui a fait ça. Alors, attends. Attends, déjà, on va se reposer. Sachant que la vallée des Delphes, t'es reparti sans... Bah oui, j'ai pas trouvé la truc, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah... Comment ça s'écrit? C'est Papunica? Oui, Papunica. K. Une, deux, trois, quatre. Tu as quatre cartes au Papunica. Waouh. J'espère qu'il n'y en avait pas une dans le puits. Ah bah si, mais dans le puits, je crois que j'ai tout fait. Une, deux, et deux étoiles. Alors. Je vais dans les maisons. Je commence par les étoiles. Dans le village de Papunica, il faut traverser le mur de la maison de droite du puits. Putain. Ah, une carte rare. Hein. Il y avait un EMUC à acheter. J'ai l'EMUC. L'EMUC, c'est fait. Ouais, c'était à acheter en fait. C'est vrai qu'on l'avait pas fait. À droite du puits. Bah, de toute façon, je suis en train de faire toutes les baraques là. Donc... Ah, j'ai un puits, mais j'ai pas la baraque à droite. Ah, la porte est fermée. De cette maison. Mais tu m'as dit à droite, donc je vais à droite. Alors, on a traversé le mur de la maison à droite du puits. Donc, juste à droite du puits. Ouais, ouais. Bah, je vais voir, là, je suis dans la maison, déjà. Bah, le mur de la maison, peut-être. Oui. Ouais, ok. Donc à droite du puits. Ouais, bon, je vois à peu près où c'est. Là, c'est pour quitter. Ah, je viens de recevoir un mail de Hello Asso. Nice, c'est pour rappeler qu'il faut faire des dons. C'est la newsletter. Mais oui, vous pouvez faire des dons. À droite, donc j'imagine que c'est là. Donc, ouais, voilà. T'as le puits. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Et j'ai le Cobra Zero. Ah, et je suis rentré dans une autre maison. Alors, t'as une étoile pas loin. J'ai un coffre, c'est une étoile. Ok. Cobra, bah, il me manque qu'une étoile et cinq cartes. Alors, l'autre étoile, juste après avoir rencontré Kairis, dirigez-vous vers l'ouest avant d'aller dans les cavernes. Vous trouverez une prairie secrète. Ah, j'ai peut-être pas fait ça. Mais Kairis, on la trouve déjà. Bon, ça, c'est... voilà.
Ensuite, en termes de cartes, il te manque le verre qui se trouve dans le puits. Mais je l'ai, le verre. C'est la graine que j'ai pas. Et Apapunika, Torque. Le Torque. Rentrer dans la maison derrière le coffre contenant le PNJ. Quoi ? C'est pas français ? Si. D'accord, si tu dis que c'est français alors. Rentrer dans la maison derrière le coffre contenant le PNJ, les PNJ. Oui. À l'intérieur se trouve un coffre avec une carte. Bah, j'ai peut-être fait alors. Parce que le coffre avec les PNJ, je crois que le tout, c'était. Il était là. Donc c'est ici. Ah, peut-être pas. Alors, c'est une maison où. Oui. À gauche, il y a deux caisses de bois ou deux tas de bois carrés. Et juste à droite de la porte, c'est comme deux trucs de béton ronds avec un couvercle de bois. Ça là ? Je vais te dire ça dans quelques secondes. Non. Non. Parce que si c'est celle-là, je peux pas y rentrer. C'est une maison. Ah, d'où c'est avec une porte bleue, maison toutes des portes bleues. Oui. Juste à la gauche de la porte, il y a une espèce de lanterne accrochée au mur. Ok, c'est bon, je l'ai. J'ai la maison, mais tu m'as dit qu'il y a un coffre dedans. J'ai dû l'avoir. Ouais, c'est celle-là, c'est cette maison-là. Et dès que tu rentres dans la maison... Ouais, non, il n'y a plus le coffre. Donc ah, il n'y a plus déjà... rien. Ouais. Ok. Donc le torque, tu dois l'avoir. Ouais. Bon, on va le voir à l'ouest. Alors, il y a une carte qui à se l'est. Trouve dans la prairie secrète, justement. Mais j'y suis allé à la prairie secrète. C'est la graine. Putain. Pourtant, j'étais sûr que je l'avais fait. Aller ouais, dans la prairie secrète, hein, mais je me rappelle pas avoir eu une graine qui une carte qui s'appelle la graine. Donc j'ai pas dû la trouver. Peut-être qu'il fallait péter un truc ou passer derrière un mur, je sais pas. Donc on y retourne. Elle est là, la prairie secrète. Et j'ai pas le fantôme de Kefka non plus. Hop, prairie secrète. Dans le trou. Elle est où ? Alors, juste après avoir rencontré, dirigez-vous vers l'ouest avant d'aller dans les cavernes de cristal. Vous tous arrivez à la prairie secrète. Dans la prairie secrète, il y a un trou. Oui, c'est fait. À l'intérieur, suivez le chemin au sud. Oui. Puis, vers la droite, à l'intersection. Bah. Ouais. Bon, attends. Peut-être continuer par là. À droite à l'intersection. Je crois que j'y suis. Oui. Ah, j'ai peut-être vu un mur. Chelou. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Attends. Non. Non, il était pas bizarre le mur. Ouais. Bah, y a rien là. C'est un coffre qu'il faut trouver. Il n'y a pas Il y a un coffre pour la carte et... Richissime. Vous avez récupéré 20 000 glis. D'accord. Bon, c'était peut-être pas là, l'intersection. Ah si, c'était là. Alors j'ai dû récupérer, mais je sais pas. Bon. On va aller voir le type, il va nous dire où il demande des choses. Par rapport à vraiment à ce que j'ai sous les yeux et par rapport à toi, enfin, ça ressemble pas. De quoi ça ne ressemble pas ? L'endroit où j'étais ? Là où toi, tu dis que tu étais. Non, là, à droite, c'est là. Attends, je suis encore en combat là. Enfin, tu es encore en combat pour moi. Ouais. Moi, à droite, c'est ici.
descend. Avec la rivière. Alors, il y a un bout de rivière et un tout petit bout de mur. Il y a un... Voilà, passe à droite, là. Vraiment, tu longes la rivière à droite. Ok. Ouais, c'est un truc caché, quoi. Est-ce que... L'attaque en plus. Ouais, ok, c'est un truc caché. J'ai la graine. Ok. Il manque 4 cartes, une étoile. Et on va aller... on va aller voir le type. Pour être plus précis. Et l'étoile... Il te dit aussi où sont les étoiles ou pas? Oui. Ah, cool. Enfin, j'espère. Il y avait un menu étoile. Il y avait un menu marchand aussi. Le marchand, j'y suis pas allé. Bon, j'ai essayé de sortir de là assez rapidement. De récupérer le chose. Ah, le retour a été beaucoup plus rapide. Parce que s'il faut, il me manque une carte. Oh putain. Là où on a fait le combat contre Kafka. Son fantôme, je sais plus. Juste une question comme ça, le vaisseau, tu l'as et là où tu l'as laissé? Oui. D'accord. Donc c'est pour ça que j'y retourne. Il me manque un truc à la Moria apparemment. Parce que j'ai toujours pas trouvé la carte. Mais bon, on va voir. Allez. En espérant ne pas se faire aggro tout le temps. C'est bon, je suis au village. Comme ça, on fait ça vite fait. On fait vite fait. Ça fait une plus grosse 0D. Mais là, de toute manière, on a déjà dépassé le temps de l'épisode 1. Ouais. Moi, j'avais pas fait 1h30. 1h20 et quelques. Merde, oui, mon vaisseau. 28h20. Oh putain, il est après le. J'ai pas pris la carte de mage, donc je vais la récupérer. C'est vrai. Et oui, il est après la vallée d'Eden. Oh non. Mage. Alors. Bah, elle est là. Putain, mais quel con. Bon, bah, il m'en manque 3. Ouais, c'est bon, j'ai la mage. Allez, maintenant faut descendre. Oh, la partie sauvegardée. Allez, le but c'est d'aller au sud. C'est bon. Que ça. Peut-être fait une connerie. Ah non, c'est par là. C'est bon. Je m'en rappelle très bien maintenant. Voilà. Le vaisseau. Ok, on va au village. Village. Alors, première chose, c'est trouver la meuf qui veut cuisiner la viande. Ah non, bah attends, étoile. Blablabla, blablabla. Je sais qu'il y en a une dans un lieu nommé les cavernes de cristal. Ah, bah c'est là où il y avait le fantôme de Kafka. Carte, hein, tu as besoin de plusieurs cartes. Tu en as trouvé. Aïe, il m'en manque une à la mine, il me dit. J'ai entendu dire qu'un marchand téméraire s'est installé dans la forêt au nord-ouest. Ok, on ira voir. Les chobokos, c'est bon. La, 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 la. Leur viande est délicieuse, je crois que quelqu'un à Ogaï sait comment la préparer. Bon. Est-ce qu'il me dit autre chose pour les cartes ou il me dit toujours là? Ouais. Tant que j'ai pas fait les mines.
dira rien d'autre. Bon, on va voir pour la viande, du moins ici. Oui. Qui peut cuisiner? Toi, tu vas mourir, voilà. Là, on va tous périr. C'est toi, mamie? Non. Ah, si. Oui, je te la cuisine la moi. Bon appétit. C'est tout, même pas un succès, rien. Je suis déçu. Je vais chier à le faire. Bon, alors, il me dit le marchand. L'étoile, elle est pas là. Alors, le marchand dans la forêt au nord-ouest. Donc, ici. Ah, mais là, il y a l'arbre de mana, là. Après, l'arbre de mana, ça sera la fin du jeu, ça. De quoi, l'arbre de mana? Ah oui, c'est la fin du jeu, ça. Oui, mais il dit il y a une forêt au nord-ouest. Et au nord-ouest du village. Mais c'est là. Putain, mais je suis con, oui. Ah, c'est peut-être ici. Je pourrais me poser. Ok, c'est peut-être là. Je ne sais pas. Marchant dans la forêt au nord-ouest. Il faudrait peut-être que je me soigne un jour. Hein. C'est là-bas. La forêt au nord-ouest. Mais ça, c'est le lac interdit. C'est pas... Y a pas de marchand. Ça a l'air bizarre. C'est peut-être là-bas, cela dit. Putain. Bon, bah, mute. J'ai envie de m'emmerder. Ah, j'espère que ça touche tout le monde. Bah, il m'a pas demandé qui, donc oui, j'imagine que ça va toucher tout le monde. Allez, ça les tue tous d'un coup, pas vrai? Ouais, ça a l'air. Là, il y a une forêt, mais il n'y a rien. Bon. Ouais, mais le marchand, il est... Ah, c'est peut-être là, cela dit. Attends. Là, c'est la vallée d'Eden. Là, c'est la grotte chelou qu'on a fait. Ah, là! Je l'ai trouvé. Ouais, c'était bien, bien au nord-ouest. Hein. Je suis l'un des derniers marchands itinérants. Ah, il voulait de la viande de chocobo. Oui, je te donne la viande. Et il me donne un cœur bonus. C'est une blague. Tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave, soit. Au moins, c'est fait. Je voulais aller où? Ah oui, aux cavernes de cristal. On va faire l'étoile. Ah, mais je sais pas s'il me manque une carte aussi là-bas. Moi j'ai des choses sous les yeux après. Y'a araignée ou pas dans la caverne de cristal? Dans la caverne de cristal, on parle de slime. Ouais, je l'ai. De Skaven. Je l'ai. Et deux. Tac. C'est tout. C'est tout. C'est tout? Bon, mais il me manque une étoile alors. Il te manque des étoiles. Il y a deux étoiles dans la caverne de cristal. Ouais, mais il m'en manque une. Ok. Parce que le monsieur me dit qu'il en manque une ici et qu'il m'en manque qu'une. Alors, tu dois avoir celle-là.
Ça, là, tu vas la voir, et ouais, là, il y a une étoile, c'est à travers un mur. À travers un mur ? Ouais. Bon, bah, c'est où, alors, le mur ? Alors, dans les cavernes, dirigez-vous toujours vers le nord jusqu'à atteindre de l'eau. De l'eau, ok. On va vers l'eau. Dans le mur, à gauche de l'eau, oui, se trouve un passage. À gauche de l'eau. Il me faut de l'eau. De l'eau. Ah, j'ai l'eau. Donc je vais à gauche. Oui. À l'ouest. Oui. C'est bon, je l'ai. Ah putain. Ouais, méga star des volantes, vous avez trouvé toutes les étoiles cachées, youpi. Bon, on retourne à la Moria. Putain. Pour ces bordels de... Donc toutes les étoiles, c'est bon, c'est oui. Fait. Ok, je ferme la page. Ouais. Et il te manque que des cartes. Ouais, trois cartes. Trois cartes. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais il me manque... Ben non, pas Zephyroth. Il me manque... comment il s'appelle ? Le fantôme de Kefka. Ouais. Il me manque... celle dans la Moria. Clink, tu l'as. Araignée. Araignée, je l'ai pas. Ah, tu as un ? Ouais. D'accord. Ah, tu as, je crois que je l'ai. Ok. Parfois, il y a des galérages niveau... conversation. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, la mine, on va prendre à l'entrée principale. Donc, je suis dans la mine de la Moria. Ouais. Où c'est qu'il y a des cartes ? Alors, c'est dans une zone où il y a de la lave. Tu sais, il y avait un chemin où ça faisait une case sur deux qui descendait, là. Alors, dans le chemin de la lave, il y avait un chemin... Une case sur deux. Ouais, en Z, un chemin en zigouille. Ouais, peut-être. T'étais déjà allé, t'es passé plusieurs fois dessus, et moi tu pensais qu'il y avait rien, et en fait il y avait un passage. Est-ce que c'est là où je suis ? Je veux dire ça. Est-ce qu'il y a une case sur deux ? Ah non, dans le gros labyrinthe. Je vais te dire ça. Continue à avancer. Ouais, non, c'est pas cette zone c'est de lave ici. Là, c'est pas ça. Okay. Ça doit être l'autre du coup. Ça doit être par là. Ouais, merde. C'est cette zone là. Ok, bon. Tu viens d'y passer, tu viens de passer. Oui, mais je suis tombé, d'accord. Oh bordel. Mais heureusement que j'ai un cœur bonus. Mais c'est pas possible. Le cœur bonus, il est nul, il sert à rien. M'imite vachement bien. Si vous voulez imiter ta maman, je serais encore plus sur un accent du sud. Elle a un petit peu l'accent, maman, c'est vrai. Un peu. Putain, mais j'y suis là où tu me dis et... Non, c'est attends, faux, c'est pas là. Je peux dire ça. Non, c'est peut-être pas là, c'est de l'autre côté. Non, 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 descends. Ok, c'est la zone juste en dessous, là. Ah là! Putain! Ok, je l'ai! L'araignée! Oui. Cette saloperie d'araignée. Ok, bon. On essaie de redescendre sans mourir. Voilà. Dit-il en mourant. Ok, je suis hors de danger. Ensuite, où c'est qu'il en manque une ? Eh
TB, on peut même pas traverser la montagne alors que je suis 20 mètres au-dessus, quoi. Alors, sauvegardons. Non, pas étoile. Carte. Oh putain, il en manque une dans les mines. C'est une blague. Bon, on retourne dans les mines. Il te manque deux cartes et une dans les mines. Il m'en manque encore une dans les mines, ouais. Putain, c'est une blague. Je retourne dans les mines. Je suis dans les mines avec mon demi-cœur nul. La carte de clink que tu l'as. Oui. L'araignée, tu viens de la voir. Oui. Atuin. Mais j'ai pas Atuin alors. Bah après, j'ai que Atuin, moi il me reste bah, c'est ça doit être elle, hein. Mais je l'ai pas. Dans les mines, dirigez-vous dans la salle au. Quoi ? Vas-y. Dirigez-vous dans la salle au nord des mines, salle précédant la pièce avec le coffre du trou. Le coffre du trou ? Alors. Puis passer dans un passage dans le mur. Ah, oh, bordel de mur ! Dans la salle précédant. Dans la salle qui précède celle avec le coffre dans un trou. Ouais, le coffre dans le trou, je vois où c'est, mais... C'est... Alors, je vois ce que c'est, mais je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Ok, donc, dans la salle précédant celle-là. Donc, dirigez-vous dans la salle. Cas, là. Puis passez dans un passage dans le mur à droite. Dans le mur à droite... La salle précédente. Ouais, mais je sais plus. Alors, c'est une salle avec un sol en terre. Un sol en terre. Ça va pas être là, alors. Sol en terre, ben, c'est beaucoup plus loin. Une grande salle. Une grande salle en terre. On va se balader, tu me diras. je crois qu'elle est après le labyrinthe. Enfin, le labyrinthe. Les dalles sur l'eau, quoi. Je crois que c'est après les dalles sur l'eau. Merde, c'était pas là. Oh, la barbe. La barbe. C'est ma nouvelle expression pour pas dire autre chose. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ok, j'ai une grande salle de terre. Enfin, je commence à aller vers la terre. Je vois un peu de décalage parce que nous sommes confinés chacun chez soi, je ne suis pas à côté de toi. Oui. Pourtant, je suis sur le siège passager. Ah, ça doit être là. Ça. Une grande salle. À droite. Tu m'as dit. J'ai pas de chemin au milieu comme ça, moi. Attends, attends. Ah, ça doit être là. C'est bon, grande salle en terre, j'ai... Ah, je vois le coffre. Ah, tu vois le coffre, d'accord. Ah, c'est bon, oui, c'est la salle y ressemble. Ouais, c'est bon. Ah là là. Bon, j'ai trouvé le bouton. J'ai pressé le bouton. Et maintenant, j'y vais. Ah, c'est mine, alors, quel enfer. Ouais. Il m'en manquera une après. Ensuite, le chemin vous mène à un interrupteur, il déverrouille une grille, allez-y. Oui, c'est bon. Voilà. Et c'est la carte de Atuin. Ah, le poulpe, il avait une armure, j'avais pas vu. Oui, c'était le poulpe invincible qu'il fallait faire tomber dans le trou. Oui. Ben voilà. C'est vrai. Bon, ben maintenant, on essaie de sortir. Ah ! C'est bon, j'ai un raccourci. Non, c'est non, bien. Pas celui-là. Ça, c'est un raccourci. Tu te fais prendre des dégâts, certes, mais un raccourci quand même. Quand tu sauvegardes, que tu récupères. En tout cas, dans le village, tu récupères ta vie. Non. Il faut demander un soin. Ah oui, oui, oui. Donc, t'as quand même un moyen de récupérer ta vie facilement. Oui. Bon, on retourne au village. Thank you.
Alors, le village de ces morts. Il est où le dernier? Non, les étoiles, je sais. Carte. Le bosquet sacré. Merde. Je me souviens pas y être allé au bosquet sacré. Si, tu dis. T'es sûr? Bah, je veux bien croire, hein, cela dit. Le bosquet sacré. Si, c'est un des niveaux, le bosquet sacré. Oui, mais je sais pas où il est. Ben, le bosquet sacré, c'est la zone où t'as terminé le dernier stream. Enfin, le stream d'avant de Evoland. Oh bordel, je sais plus où c'était. Cette étoile se trouve dans le bosquet sacré quand vous descendez chercher l'arc. Ouais. Ah, attends. C'est ici alors, le bosquet sacré. Oh, c'était un mur secret. Enfin, C'est bon, je l'ai, le bosquet sacré. Ok. Et sachant que dans le bosquet sacré, j'ai beaucoup d'étoiles. Ouais, mais on s'en fout, on a tout. 1, 2, 3, 4. C'est 5. Juste la carte là qu'il me faut. Pourquoi j'ai cliqué sur étoile, moi? Oulala. Oulala. Pardon, je suis désolé. Oulala. Alors, des. C'est la carte qu'il me faut. Je dois avoir une obsession pour les étoiles. La carte. Oui, j'arrive. C'est Kafka ou Kairis, donc je sais pas ce que c'est Kafka. Au début du bosquet sacré. Au début du ouais, bosquet sacré. Ouais, j'y vais. Vous trouvez un cristal à côté d'une pierre dimensionnelle. Oui. Avant de la passer, posez une bombe à côté du cristal. Montez rapidement pour passer en 2D de l'autre côté de la pierre. Attends, quoi ? Avant de passer la pierre dimensionnelle, donc le caillou carré, oui. Tu poses une bombe à côté du cristal et tu cours pour passer de l'autre côté de la pierre. Pour être là en 2D ? Putain. Pour passer en 2D. Mais je vais jamais y arriver. Ensuite, vous pouvez prendre la carte dans le coffre. Voilà. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas là. Hein. C'est obligé, c'est pas là. Bon, c'est au début, mais c'est pas là. Parce que déjà, je vois pas de coffre aux alentours, ici. Et puis, non, mais parce là, que vraiment, chaud, des ouais. Cartes dans le bosquet, j'en ai que deux. C'est Kafka et Kairis. Oui, ça doit être là. À tous les coups. Oui, je pense que c'est. Là, c'est beaucoup plus faisable que l'autre. Run, bitch, run! Cela dit, c'est peut-être pas là. Au début du bosquet, mais enfin. Non plus, je vois pas de coffre. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un coffre que je puisse voir, quoi. Oui, ah oui. Non, mais là, j'ai l'arc. C'est avant de choper l'arc ? On s'en fout de l'arc, en fait. Ok, très bien, merci. Parce que là, c'était pour l'étoile. Ah, ça doit être là. C'est bon, je l'ai. Ouais, je l'ai. C'est vrai que j'ai même pas pensé à faire ça. Quel con. On a la dernière carte. Bah, j'ai pas eu de succès. Bah, bravo, le veau a voté. C'est normal. Ah bon ? Oui. D'accord. Salut, Draken. Hello. Bon, ça va d'ici. Ça veut dire qu'il faut que je le montre au type qui fait du double twin. Il va me dire, oh, bravo. Je sais pas. Bon, j'ai toutes les cartes, j'ai toutes les étoiles. Et tu retournes au village, parler à ce que t'as envie de faire, récupérer ta vie et poursuivre. Poursuivez l'aventure. Mais j'ai rien à faire au village. Bah si. Bah sûrement parler au type des cartes. Oh, est-ce que
fait, il y a un succès pour être niveau 10 parce que je suis niveau 9. Je sais pas. Bon, ça au pire je le ferai dans mon coin. Parce que ça c'est vraiment vraiment pas intéressant. Soyons honnêtes. Mais s'il faut, je vais l'avoir là. Ou alors en tuant Zephyrhout. Zephyrhout. Alors, au village. Sauvegardons. Ensuite, on va parler au type. Salut madame. T'as la vie le bonheur de toute sa vie, elle. Salut. Ah. Bah, c'est pas lui. Ah, c'est lui. Collectionneur chevronné. Oui, c'est moi. Ensuite, je me soigne et en route pour l'arbre. Allez, go! J'espère que l'arbre, c'est juste le combat. Comme ça, on finit plus vite. J'espère que je vais arriver à le tuer en étant niveau 9. Je vais tenter un peu le combat. Les graphismes vont encore évoluer, ça reste comme ça. Je crois que pour, vu qu'on est sur la fin de jeu, pour celui-là, non. Peut-être pour le numéro 2, ça va évoluer, mais... Non. Là, c'était le premier jeu qui est un peu... Bon, il est pas si vieux, il est de 2018, non. 2012. Oula, bonne question. C'était écrit au début, merde. Car j'ai bien aimé le système de récupérer les graphismes avec les actions. C'est vrai. Ben en fait, c'était le principe, c'est pour ça que le 1 est très court et qu'apparemment, ils se sont bien lâchés dans le 2. Donc ça, c'est chouette. Tout à fait. Evoland. Sorti sur Windows en 2013. Ah bon, 2013. Android et iOS en 2015, comme sur Linux. Switch, PS4 et Xbox One 2019. Mais c'est la Legendary Edition. Oui, oui, j'imagine. Et Evoland 2, août 2015. Ah ouais. Après, vu que là, on va dire que ça s'inspire beaucoup de FF7 et du 6, c'est un peu le style qui... Enfin, un peu le style, c'est un peu plus évolué que le 7 de base, soyons honnêtes, hein, parce que le pauvre Cloud, il ressemblait à rien avec ses bras patates, là. Je vais me faire défoncer d'avoir dit ça, je pense. Je vais me mettre en temps fort, rien que pour ça. Je vais me faire éclater. Enfin, à l'époque, c'était bien, hein, mais enfin, on va dire que visuellement parlant, celui-là est un... Bon, je sais pas. Si, il est mieux fait, il est moins pixelisé, tout ça, mais... Je vais me faire défoncer. Les gens vont me haïr. Parce que j'ai dit que c'était pas bon. C'est l'heure de boire pendant la cinématique de Babelut. De la tisane. Au pétale de rose et au litchi. Ah, oh, c'est très bon. Mais je vais être niveau 10. J'ai jamais joué à un FF de ma vie. Je sais pas si Dissidia sur PSP compte. Non, ça compte pas. Parce que c'est un jeu de combat. Et encore, j'aurais compris à l'histoire de Dissidia. Je faisais que les combats. Ouais, bon. L'histoire de Dissidia, c'est vrai que c'est pas la meilleure du monde, hein, soyons honnêtes. C'était juste un jeu de combat où ils ont dit bon, on va mettre un mode histoire, mais dans le mode histoire, bah, y a que des combats. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé Dissidia. La preuve, maintenant, je joue à Dissidia sur téléphone portable et c'est Farmland. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau jeu FF sur téléphone. Mm-hmm. C'est Final Fantasy Brave Exvius, mais pas celui qu'on connaît. Merde. Pas celui qu'on connaît. Un tour par tour, un tactical. Enfin, tactical à la FF Tactics, quoi. Qui est largement beaucoup plus joli que le Dissidia qu'il y a, et ça me fout les boules. Mais bon, c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent. On va se soigner. Parce que bon. Ah, mais Baba But, je peux pas le refaire. Pourquoi je peux pas le refaire? Faut attendre 215 secondes.
Ben, on va peut-être un peu attendre de pouvoir le refaire si on bat le boss. Ce serait peut-être mieux. Donc ça fait 3 minutes 30 à peu près. Ouais. Bon, après, d'un côté, je peux comprendre. Quitte le fat. Quitte. Quitte. Je vais y arriver. Mmh. Non, en fait, je vais pas y arriver. Je cherche le mot dans ma tête, mais je trouve pas. Quitte bride. Voilà, quitte bride. Je comprends qu'il te bride un peu pour éviter que tu fasses que ça, quoi. Genre, hey, Pouf. Allez, niveau 10. Oh bordel, mais je peux pas être niveau 10. Y a pas le... Je viens de lire le nom d'un des succès. C'est niveau 110. Non, non. Le, être le 90 succès 000. Le succès s'appelle Takoyaki. Oh, je veux des takoyaki. C'est tellement bon, les takoyaki. On a trouvé un resto qui livre. Oh putain, c'est tellement bon. Et c'est pas si cher que ça. Ça reste très raisonnable, mais c'est super bon. À base de poulet pané et de riz et d'œufs mélangés. Enfin, c'est trop bon. C'est une tuerie. Mais bon. Là, on va attendre. Bon, ça m'a énervé. Ah, mais ça lance de suite. Merde, s'il faut y arriver, un succès. Putain, mon personnage, il parle. Incroyable. Oula. Oh mon dieu. Et je vais me venger. Ah. D'accord. Nouveau système de combat. Mon dieu qu'il est nul. Bon, j'ai réussi à me faire toucher une fois, mais il m'a surpris, c'est pour ça. Pour l'instant, tu lui fais rien. Ah bon ? Mais pourtant, il crie. Si, je lui ai éteint un œil. Tu vois, je lui fais des choses. Mais... Je vais là-bas. Et en fait, non. Là, je vais là. Merde. Là, je vais là-bas. J'ai compris les dégâts. La musique, elle fait pas trop musique de boss. Ouais, elle fait plus. T'as trouvé le moyen de tuer le boss. C'est bon, j'ai pété les deux yeux. Et maintenant. Oh shit. Mais ouais, mais c'est compliqué. Oh non, j'ai pas sauvegardé. Non, j'ai pas sauvegardé tout mon farm à la con. Bon, bah c'est pas grave. Je peux passer, s'il vous plaît. Fais chier. S'il vous plaît, un succès de niveau 10. Bon, vous m'en voulez pas, on va passer le dialogue. Là, ok. Allez, attaque-moi, fais un truc. J'ai aucun succès de niveau. Merde. Même pas caché. Non. Et merde. Est-ce que j'ai tous les succès du 1? Merde, je suis en plein milieu.
ça c'est autre chose. Je suis allé trop loin. Putain, mais je prends des dégâts gratos. Bon, là, il va vomir. Ouais, voilà. Oui, bonjour, je suis le vomi. Bordel. Je sais pas, ça fait tink-tink. Je suis pas sûr de le toucher. Et merde. Tu dis mal. Après, il tremblote, mais je suis pas sûr que ça fasse... Vraiment visé, bien visé. Ouais, je crois. Par contre, je prends, si je prends un dégât à chaque fois qu'il vomit... Ça fait visio, mais... Oh putain, mais... Oh, mais non, mais... Je sais pas dans quel sens il va partir, donc c'est chiant. Ouais, c'est... Enfin, je comprends pas. Tic, 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 tic. Ouais, je sais pas dans quel sens il part, donc c'est un peu... Il doit y avoir un truc pour savoir dans quel sens il tourne. Tic. Et merde. Super, je suis débile. Bon. Je suis complètement con. Tout va bien. Mais bordel de merde. Non, mais je veux le passer. Bon, c'est pas... Je vais mettre du temps à tuer ça. Incroyable. Alors. Ouais, parce que là, t'as un signal pour lui dire que tu le touches, mais... Ok. Non! Non. Et maintenant, je sais pas dans quel sens il tourne. Tout est limite. Tic, tic. Ah, je pense avoir trouvé. Merde, je peux aller seul. C'est le sens de la tête, peut-être. Non, pas du tout. C'est pas ça. Je sais pas si je lui fais des dégâts. Bordel. Ok. Là, le sens de la tête, ça fonctionne. Oh là là, mais il est tellement... Ok, il commence à être pénible. Mais bordel! Pique, 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 je te fais mal avec mon petit couteau. Pique, petit couteau.
merde. Pique, petit couteau. Petit couteau. Hey, c'est pas ça. Putain. Bon. Et maintenant. Est-ce que tu te décides à mourir, s'il te plaît? Ouais, bah tu devrais être un peu plus loin. T'as. Pique. Petit couteau. Eric. Oui. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah bon? Non. Ah putain, je viens de voir. Ok. Oh putain, je viens de comprendre. Ok. Donc d'abord, pique. Oh, putain! Voilà, ça fait pique. Pique pouf. Pique. Bah il est mort. Ou pas. Il est dans forme. Non, on va mourir. Ok. Salut. Et maintenant. Tu as détruit mon armure de pierre. D'accord. Je vais te détruire. Oh. Est-ce qu'il faut lui renvoyer une certaine couleur dans la tête? Oui. Voilà. Des années de Zelda. Ah non! Ok. C'est parti très loin. Meurs! Bon, il faut plus de 3 coups, apparemment. M'a fait peur. Oh non, mais j'ai tapé! Je vais mourir. Esquive. Mais bordel de merde. Ah non. Esquive est parfaite. De la part du joueur français. Bordel de merde. Pourquoi? Maintenant c'est bon, j'ai trouvé. I'm sad. Bon allez. Dépêche-toi. Pas que ça à faire. Je vais écraser par la main. Voilà, ça c'est fait. Oh. Pique. Eh bien, mais merde toi. Ah non, il va me vomir dessus. Pique.
Ah, déjà, easy lay. Et du premier coup. Allez, vas-y, dépêche-toi. Hein. Tu as détruit mon armure de pierre. Allez. Amène-toi. Ouais, bon. Si en même temps je suis pas en face, hein, ça aide pas. Mais... Ah, cette boule bleue de l'enfer. Mais merde. Ouais, boum. Mais je comprends pas, hein, c'est incroyable. Je tape comme un mongol et... Ça passe pas. C'est une autre forme encore. Ah ok. Eh bien au revoir Yves. Ou alors il fait un méga caméra, j'en sais rien. Eh bien au revoir. Merci d'être venu. Je suis un héros. C'est fini, j'imagine. Ah oui, c'est fini. Gros scénario. Bon, c'était rigolo. Que faisons-nous? Bon, bah, apparaît le générique. Tu peux couper. Oh, j'ai lu Nicolas Connasse, hein. Désolé, Nicolas. Bon, on va faire une outro pour la vidéo YouTube. Et après, on verra ce qu'on fait. Bah, de toute façon, tu peux laisser le générique et je le laisserai pour YouTube aussi. Donc. Ah oui, non, mais je le laisse aussi. Bon, on va faire une outro YouTube pour ça, du moins. Donc, merci. Ah, il y a un truc intéressant dans le générique. Oui. À l'origine, c'était Evoland Classic qui était fait en 48 heures pour le Lumder Compo. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est si court. Peut-être pour ça. Et en fait, du coup, ouais, ils ont fait Evoland tout court suite à ça. Mm-hmm. C'est un jeu court, mais c'est plutôt pas mal. Oui, non, mais c'est vrai, pour un petit jeu, c'est sympa. Mm. Inspiré par The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo, et bien d'autres. Oui, c'est vrai. Mais du coup, il est français. Hein? Il est français le jeu, j'ai l'impression que c'est vous que avez fini 95,6% du jeu. Oh non. Oh non. Il m'en manque. Que dois-je faire? Je regarderai. Oh merde. Ah, bah vous avez si, gagné. Appuyez sur A pour revenir à l'écran titre. Vous avez gagné. Mais comment je sais ce qui me manque? J'ai ton œil à ta succès Steam. Bon, je le fais maintenant ou on fait au loutro, on lance une pause, on discute, on voit ce qu'on fait. Regarde tes succès Steam maintenant, bon. Voir ce qui te manque. Alors, afficher tous les succès. 16 couleurs, 3D, blablabla, ouais. You killed the Noctorak with the Flaming Arrow. Ah, c'est ça le Takoyaki. Oui. Vous avez tué 10 Atuins. Vous avez gagné 50 000 giles. Oh là là. You have beaten the Noria Mind boss with full health. Putain! Niveau 30! Ah ouais, quand même. You feel like a true explorer. Hein? You played your first game of card. Attends, mais y'a pas le 2 aussi? Evoland et Evoland 2, des succès séparés, hein? Ah, moi non. Vu que je suis sur le Legendary, y'a les deux qui sont... Alors, regarde, j'ai juste la page des succès Steam de Evoland tout court. J'ai pas. Ah, c'est pour ça. Si, allez, je te la donne. Oui, non, mais je vais regarder. Bon, attends, on va quitter le jeu. Je lance une pause.
merci de nous avoir suivis pour Evoland. C'était pour l'outro de YouTube. Voilà. Merci beaucoup. À plus mais tard. Le stream directement, comme non, ça, moi, je ça me fait. Pas le stream. Ah, si tu veux, je relance le stream. Allez. Oui, on le relancera plus tard. Du coup, bisous. Merci. D'accord. De nous partout. Merci. Au revoir. À voilà. Plus. Faites des dons.